Je voudrais d'abord vous souhaiter ce soir la bienvenue à la Grande Mosquée de Paris pour cet iftar. Hein, le mot iftar est entré également dans la langue française, qui est organisé en l'honneur de Madame la maire de Paris, Madame Hidalgo, à qui d'abord j'adresse mes plus sincères remerciements. Chère Anne, votre présence nous honore en ce mois de Ramadan si cher au cœur de nos concitoyens musulmans. Nous sommes réunis au soir du 15e jour de jeûne, à mi-chemin de ce voyage spirituel que représente le mois béni du Ramadan. Depuis le début de ce mois, la Grande Mosquée de Paris a connu une fréquentation exceptionnelle, en particulier pour les prières surérogatoires, ce qu'on appelle les prières de Tarawih, qui rassemblent chaque soir plusieurs milliers de fidèles. Cette ferveur s'exprime dans la piété comme dans la générosité. Elle réchauffe l'âme en ces temps extrêmement difficiles que nous vivons tous. Le mois de Ramadan est celui de l'introspection et du pardon. C'est le mois où nous cherchons toutes et tous à réparer nos existences et celles des autres. Mes pensées se tournent naturellement et entièrement vers toutes les victimes des violences, des privations et de l'injustice dans le monde. La tragédie qui se déroule en ce moment à Gaza, à quelques milliers de kilomètres de nous, hante toutes nos préoccupations. Face à ce contexte international meurtri et dans notre société aux multiples fractures, il est heureux que les musulmans de France puissent vivre leur mois béni dans la sécurité, la tolérance et l'amitié de tous. En ce mois si particulier, les musulmans agissent pour les autres, pour ceux qui souffrent de la maladie, de la misère et de la solitude. Ainsi, l'action de la Grande Mosquée de Paris rejoint celle de milliers de musulmans qui, dans l'anonymat, dans le seul but d'apporter au bien commun, expriment leur citoyenneté et participent à rendre notre société meilleure et plus unie. Merci à vous toutes et tous, et à vous les imams, d'organiser ce moment qui est un moment de tradition, mais qui est un moment heureux, joyeux. Et j'aime répondre à cette invitation de la mosquée de Paris pour l'iftar et pour beaucoup d'autres événements aussi. Pourquoi ? Parce que cette mosquée de Paris, c'est un élément, c'est un phare dans notre ville, c'est un symbole. Le symbole de la participation des musulmans à la Grande Guerre, cette Grande Guerre sans laquelle, enfin sans la participation de tous ces musulmans, sans doute les résultats n'auraient pas été les mêmes. C'est d'abord ce symbole très important. Et nous avons de toujours, d'ailleurs, tous les maires de Paris qui m'ont précédé ont toujours entretenu cette relation et ont pris à sa juste valeur le respect de ce lieu et son entretien à vos côtés. Je m'inscris dans la tradition de ces maires de Paris avant moi, comme, cher Chems, vous vous êtes aussi inscrit dans la tradition des recteurs. Et ce grand recteur aussi, qui a été celui qui a fait de cette mosquée un lieu qui a sauvé les Juifs. Et je sais que c'est important de faire reconnaître, comme juste devant les nations, ce rôle de ce grand recteur fondateur de cette mosquée de Paris. Là encore, je crois que depuis Paris, depuis nos rôles respectifs, nous pouvons apporter peut-être de l'apaisement, bien sûr, mais aussi un chemin. En tous les cas, nous pouvons montrer qu'un chemin est possible et comme toi, comme beaucoup dans notre pays, je suis également partisane de cette idée des deux États pour garantir la sécurité de l'État d'Israël et bien sûr le respect des droits des Palestiniens à partir d'un pays qui soit le leur. Il n'y a pas d'autre solution que cette solution de reconnaissance dans laquelle le droit international, doit jouer un rôle, évidemment, parce que sans le droit, il n'y a plus que la force et le fort qui écrase le faible. Cette ville, qui est une ville qui a connu beaucoup d'épreuves, qui a connu la guerre, qui a connu la Shoah,
est une ville aussi dans laquelle nous pouvons compter sur des femmes et des hommes de bonne volonté, de grande intelligence et qui prônent la fraternité et l'humanisme et qui ne se départissent jamais de cela, et tu en fais partie. Et je veux vraiment te remercier aussi pour cela, le rôle, la parole de la mosquée de Paris à travers toi est essentiel et c'est aussi un élément qui permet à chacun des acteurs ensemble d'engager le chemin de la concorde. Parce que ce qui nous importe ici, depuis Paris, c'est bien sûr aussi de prôner cette concorde sans laquelle rien n'est possible. Ce respect, cette clarté, cette capacité à faire en sorte que dans la vérité et pas dans le cinéma, pas dans une réalité parallèle, nous puissions construire ensemble et le discours et poser les actes qui apaisent et qui permettent ici, à Paris, aux musulmans de se sentir pleinement chez eux, parce qu'ils sont chez eux. Mais lorsqu'on est dans des situations où les tensions sont à nos portes ou présentes, alors il faut être encore plus responsable. En plus, encore plus responsable dans nos prises de parole, nous les politiques, là je m'adresse vraiment aux politiques, encore plus responsable dans le fait que la situation est grave et sérieuse et que personne ici ne s'amuse parce que personne ne s'en sortira tout seul. Et que chercher la concorde, c'est d'abord respecter l'autre. Et c'est ce que vous faites si magnifiquement ici, dans cette mosquée de Paris, en nous accueillant, en partageant ce repas, en partageant la réflexion qui est au cœur de ce mois de Ramadan, et ensemble, en partageant aussi une vision commune de l'avenir et de l'humanisme, parce que c'est cela que nous avons en commun. Merci à vous. Merci.